Hey, bonjour à tous, ici Big Bad Hater, j'espère que vous allez tous très très bien et aujourd'hui on se retrouve sur la bêta de World of Warcraft classique et on va voir ensemble dans cette vidéo le premier secret de WoW classique, pas le premier découvert mais le premier que vous allez pouvoir réaliser à la sortie du jeu le 27 août. Les secrets sont présents depuis le début de World of Warcraft mais ont été surtout démocratisés à partir de Légion, en partie grâce au fameux Discord des secrets qui regroupe bon nombre de joueurs qui travaillent ardemment pour pouvoir les réaliser, mais ils étaient déjà bien présents à l'époque de WoW. Vanilla, certes pas sous la même forme, aujourd'hui on est plus sur des montures, mascottes et autres frivoleries cosmétiques. Alors qu'à l'époque et donc sur classique, on était tout simplement sur des petites choses cachées. Mais pas seulement, puisque aujourd'hui on va tout simplement aller récupérer une mascotte cachée, et pour ce faire direction l'emblématique zone de nos amis les Défias, la marche de l'Ouest. Et là, je suis sûr que certains d'entre vous voient déjà de quoi je parle. En effet, en venant à la marche de l'Ouest pour faire mes quêtes avec ma petite guerrière gnomette sur la bêta, je me suis rappelé justement qu'il y a quelques temps maintenant, je vous avais parlé d'une quête secrète cachée dans la marche de l'Ouest, et je me suis dit tout simplement que ça ne coûtait rien d'aller voir. Et hop, ni une ni deux, je me rends donc au sud-ouest de la marche de l'Ouest, au niveau de la petite ville minière de Ruiselune, la fameuse ville occupée par les Défias qui renferme en son souterrain le donjon Les Mortes Mines. En vous rendant au niveau de cette ville et aux abords de la première maison que vous avez sur la droite de la route, vous allez pouvoir croiser des petits poulets tranquillement en train de picorer. En vous approchant d'eux et en faisant attention de ne pas aggro les Défias aux alentours, préparez une petite macro slash poulet et préparez-vous à la spam un bon nombre de fois. A partir d'un certain moment, le poulet va passer de neutre à amical, donc de jaune à vert, et là vous allez pouvoir lui cliquer dessus. Une fois que vous vous adressez à ce fameux poulet, vous débloquez la fameuse quête cachée Code Code Codec, avec en guise de descriptif de quête le premier indice de WoW classique. La poule vous regarde puis commence à griffer la terre, on dirait qu'elle est en train d'écrire un mot sur le sol. Est-ce que cela pourrait être S-A-L-D-E-A-N, Saldine? Avant que vous ne puissiez demander quoi que ce soit, la poule s'ébroue et retourne vaquer à ses occupations. Il nous faut maintenant donc trouver de la nourriture spéciale pour poulet et l'apporter à la poule que vous voulez aider. Lorsque vous l'aurez retrouvée, encouragez-la avec un slash acclame avant d'essayer de lui donner la nourriture spéciale pour poulet. Il nous faut maintenant déchiffrer les écritures de cette fameuse poule plutôt intelligente quand même. Ce mot Saldine ne vous dit peut-être rien, mais en ouvrant votre carte de la marche de l'Ouest, on peut apercevoir qu'au nord-est, une certaine ferme s'appelle justement la ferme des Saldines. Direction donc le nord-est en passant. Passant par la colline des sentinelles, je vous invite à prendre la route histoire de ne pas vous faire buter par des mobs aux alentours. Une fois sur place, il va falloir s'adresser au fameux Saldine le fermier. En discutant avec lui, on peut voir qu'il a 2-3 petites choses à nous vendre. Et justement, l'objet que l'on cherche, la fameuse nourriture pour poulet. Maintenant qu'on a nos graines, demi-tour et on retourne voir notre poulet à l'entrée de la Ruiselune. Cliquez-lui dessus et faites-lui un petit slash acclame pour qu'il devienne amical. Si ça ne marche pas, respammez poulet, vous allez voir, ça va vite fonctionner. À ce moment-là, la quête apparaît et on va pouvoir lui donner son sac de nourriture. Il est vachement content et pouf, un œuf apparaît sur le sol. Il ne nous reste plus qu'à cliquer dessus pour récupérer ce fameux œuf de poule, et une fois dans votre inventaire, un autre petit clic pour faire éclore votre poulet. A partir de ce moment-là et dorénavant, à chaque fois que vous cliquerez sur cet œuf, votre petit poulet vous accompagnera pendant toutes vos aventures, histoire de ne jamais être seul en redécouvrant et en parcourant Azeroth à partir du 27 août. Juste pour info, cette quête est répétable mais ne vous donne pas d'XP, et même si vous avez plusieurs œufs dans votre sac, vous ne pouvez faire pop qu'un poulet à la fois. Je vous dis ça tout simplement parce que nous sommes sur WoW Classic. Et comme vous pouvez le voir, les mascottes n'ont pas d'interface propre, et donc si jamais vous avez la chance d'en récupérer une, elles sont rares, il faut le savoir, elles vont se mettre directement dans votre sac, et autant vous dire que vu la taille des sacs, ça peut prendre rapidement beaucoup de place. Enfin voilà, on en a fini avec ce premier secret sur World of Warcraft classique, à savoir également que vous pouvez le réaliser sur Battle for Azeroth, mais que la dimension épique n'est pas du tout la même. Par exemple, sur Battle for Azeroth, vous allez tout simplement prendre votre monture volante pour pouvoir faire ça en moins de 5 minutes, mais là sur Warcraft classique,
classique, il faut déchiffrer tout ça tout seul, faire le voyage à pied en évitant les embûches. Encore une fois, et je pense également que c'est l'une des forces de Warcraft classique, c'est que sans monture, le monde paraît bien plus grand, mais également il paraît plus dangereux. Il faut faire attention à pas trop s'approcher de nos amis les Défias et autres mobs en coupant à travers champs. J'ai oublié de préciser, pour nos amis les Hordeux, récupérer cette mascotte n'est pas possible pour vous, puisque le certain William Saldin qui vous permet aujourd'hui de récupérer cette fameuse mascotte n'a été rajouté que plus tard et pas pendant la 1.12, ce qui rend impossible donc pour vous de récupérer la fameuse nourriture pour poulet, ce qui fait de cette mascotte une mascotte exclusive pour l'Alliance. Et pourtant c'est pas à défaut d'avoir essayé, je me suis rendu aux alentours de la Fossoyeuse pour faire des slash poulets sur des poulets, mais rien à faire, ça n'a pas fonctionné. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la mettre de côté pour la ressortir à la sortie de World of Warcraft classique. Cette vidéo est donc le premier guide de la chaîne sur World of Warcraft classique, et ça fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et surtout si à la sortie de classique, vous allez aller chercher votre petit poulet. Moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne journée, soirée, ce que vous voulez, je vous fais des énormes bisous, je vous dis à très très vite, salut.